Il arrive à tout le monde d'avoir quelques soucis, d'avoir des défis à relever. Il arrive également à tout le monde de faire face à des difficultés, à des atrocités de la vie. Certaines fois, mon ami, toi et moi pouvons trébucher. Nous pouvons même tomber. Mais l'essentiel est de ne pas rester là où nous sommes tombés, mais plutôt de nous battre de toutes nos forces et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous relever et surtout pour rester debout. Mon ami, aujourd'hui, je voulais nous rappeler que notre Dieu règne encore et il est prêt à venir à notre secours. Il est prêt à nous aider et à nous donner la victoire. Alors évitons de fixer nos yeux sur nos difficultés, sur les problèmes, les vicissitudes de la vie. Donnons gloire à Dieu. Prenons le temps d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth, au son de la harpe. Réjouissons-nous dans l'Éternel. Chantons avec allégresse l'ouvrage de ses mains. Car ses œuvres sont grandes, ses pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, mon ami, et l'insensé n'y prend point garde. Rassure-toi, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Alors ce n'est pas ton combat, tout ce que tu vis actuellement, mon ami. Remets-les entre les mains de Dieu. Il saura te défendre et te donner la victoire. Il est bon, mon ami, de louer Dieu, de chanter sa gloire, de célébrer son saint nom. Passe une excellente journée, mon ami. Prends soin de toi. Garde ton moral, garde ton calme. Garde ta paix intérieure et ta joie. Rappelle-toi que Jésus t'aime, mon ami. Moi aussi. Excellente journée. Bisous, bisous.